Depuis l'annonce de la mort du chairman Ijon Fondi, les réactions se sont multipliées à Bamenda. À sa résidence située à Tarikon, l'atmosphère est pâle depuis ce mardi matin. Au Sion, police et gendarmerie. Ijon was so good to me. Ijon took care of me when I was sick sometimes. I just start on my way to camp and witness whether it's true or it's lie. Last week, I went to France. Don't make all to do is back and back. Je ne pense pas que c'est vrai. Au matin, à 6 heures comme ça, j'ai couru que je vienne voir si c'est la vérité. Et comme j'ai arrivé ici, je vois que c'est la vérité. Je sens très mal. Ijon Fondi a animé la scène politique au Cameroun depuis la naissance du Parti Vert et Blanc. Quelques leaders politiques à Bamenda s'en souviennent encore. Ijon Fondi, c'est un papa, c'est un politicien qui a le savoir-faire. À l'université de Bambili, des universités passent au scanner le social-démocrate UFROM après la mort de Ijon Fondi. Il fait aussi Joshua. Si Joshua Oshi, qui est vice-président national du SDF, peut bien gérer le parti, il pourra ramener tous ceux qui sont partis et va ainsi permettre au parti de continuer à vivre malgré le départ de Ijon Fondi. Pour plusieurs citoyens à Bamenda, l'histoire politique du Cameroun portera à tout jamais le nom du chairman, véritable leader de l'opposition au Cameroun, selon eux.